Alors écoutez bien ces chiffres parce que ce sont les derniers disponibles en France. 20%, 20% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids, donc 5% sont obèses et cette maladie puisque c'est une vraie maladie, il faut le dire. Elle est très fréquente et elle est source d'une grande souffrance pour les jeunes qui en sont atteints. Bonjour Kim. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir le courage de venir aussi parler de votre histoire. C'est pas forcément facile hein, de parler de son intimité. Vous, dès votre plus jeune âge, vous avez connu le surpoids et puis ensuite l'obésité le, et les moqueries qui vont avec. Euh, à 14 ans, vous pesiez 150 kilos. Donc là, 150 kilos, vous êtes en obésité morbide. Il fallait faire quelque chose. Euh, votre vie était en danger et donc euh, vous avez à ce moment là pris les choses en main. Euh, C'est un combat pour vous qui vraiment aujourd'hui de parler de ces sujets et aussi d'accompagner les, les jeunes adolescentes, les jeunes adolescents qui vivent la même chose. Alors déjà quelle petite fille est-ce que vous étiez? Alors j'étais très solaire. J'ai toujours été très solaire. J'avais beaucoup d'amis. J'avais besoin qu'on me remarque. En fait, euh, comme j'ai été en surpoids très jeune, j'avais besoin qu'en fait on me regarde pour autre chose que mon poids. Mmh. Donc j'avais besoin de faire le pitre. Euh, je faisais le cancre. Euh, J'essayais de faire rire la galerie, les camarades. Et, euh, et c'était important pour moi d'être un peu au centre de l'attention depuis toute petite. Voilà d'essayer de, de, de trouver des raisons de vous faire aimer puisque vous ne vous aimiez pas vous-même en fait finalement. Exactement. Euh, à quel âge est-ce que vous avez commencé à prendre du poids je dirais que les premiers signes de surpoids, c'était vers l'âge de 5-6 ans. Et puis, en fait, après, ça a été crescendo. Au début, c'était 5 petits kilos en plus. Puis après, 10, puis 15. Puis ça s'est accumulé, quoi. Et à 8 ans, vous étiez déjà bien ronde. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez pris autant de poids quand j'étais petite, mes parents ils sont séparés assez jeunes, quand j'avais euh, 2-3 ans, et euh, le fait d'avoir deux maisons, donc chez mon papa, chez ma maman, je me sentais, je me suis sentie très vite abandonnée. J'avais peur que mon papa il m'oublie quand j'étais chez ma mère, j'avais peur que ma maman m'oublie quand j'étais chez mon père. Et moi, j'ai très mal vécu la, la rupture parce qu'autour de moi, mes copines avaient des parents qui étaient ensemble, donc c'était compliqué pour moi de, de vivre euh, le, la séparation de, de mes parents. Maman était, ma mère était très, euh, elle me laissait un peu tout faire, j'avais le droit un peu à tout, j'étais un peu euh, l'enfant roi clairement. Et puis, chez mon père, c'était un peu plus strict, donc j'avais aussi un petit déséquilibre à ce niveau-là. Et je pense que tout a commencé vraiment à, à, à la séparation. Et c'est à mes 10 ans où là, le pic, il a augmenté. C'était à la perte de ma grand-mère maternelle, mmh. où là, tout s'est accumulé. Oui, oui, tout s'est aggravé. Et votre père, il vous, il essaie de contrôler un petit peu, parce que vous disiez qu'il était strict euh, En fait, mon père, euh, je pense que c'est très dur quand on a un enfant en surpoids, on ne sait pas comment réagir. Donc, euh, mon père, il ne savait pas comment réagir forcément, il ne savait pas ce qu'il fallait me dire, ce qu'il ne fallait pas me dire. Donc, c'est vrai que euh, parfois, sans se rendre compte, il m'empêchait de manger certaines choses. Quand on était par exemple à la plage, euh, à 6-7 ans, on ne se rend pas compte, tout le monde mange un beignet à la plage ou alors des cacahuètes. Moi, euh, je pas le droit à ça, ou alors j'avais le droit qu'un petit bout. Donc, c'était un peu humiliant pour moi aussi, très, très frustrant, jeune. C'était très frustrant, en fait. Et comment ça se passait concrètement Vous aviez faim tout le temps Vous n'aviez jamais la sensation d'être rassasié En fait, j'avais pas de contrôle. Je ne me rendais pas compte de, de ce qu'était qu la satiété. Je me suis rendue compte de ce qu'était la satiété bien, bien après. Et en fait, euh, je, 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 je mangeais, je mangeais, je mangeais. J'écoutais je, même, même, même si mon, mon corps me, me refusait, je continuais. En fait, je, en, je pense que la... L'appel de ma tête était tellement plus important que l'appel de mon ventre qu'en fait la société, je ne me rendais pas compte quand elle était là. Et dans votre famille, vous aviez aussi des gens surpoids Oui, ça a toujours été. Moi, j'ai grandi dans la culture du régime. Toute ma vie, j'ai entendu ma grand-mère, ma mère se plaindre, Ah, il faut que je perde du poids, il faut que, faut, faut que je fasse un régime, etc. Donc, je pense que j'ai toujours un petit peu grandi dans la culture du régime. Des fois, on mangeait des pâtes et ma mère elle mangeait des légumes. Enfin, ça a toujours été un peu, un peu ancré dans notre famille, on va dire. Et ma maman a toujours été aussi un petit peu à la elle a toujours eu des petits soucis avec son poids. Mmh. Donc forcément, je pense que c'est lié. Je sais que ma grand-mère, mon grand-père, ça a toujours été euh, le yo-yo. Donc forcément, quand on grandit dans un, dans un environnement où le régime est un peu au, au centre de tout, c'est dur de se détacher de ça. Que, on sait que les enfants ils peuvent être évidemment très très durs entre eux. On connaît la violence des, des cours de récréation. Est-ce que vous, vous avez euh, subi des violences, justement, des moqueries à l'école Totalement, j'ai subi beaucoup de, de moqueries. Ce qui était très... Euh, Très contradictoire, c'est que j'avais quand même beaucoup d'amis. Mais qui en fait, justement, dans mon dos, euh, se foutait de moi. En fait, on m'avait donné un surnom. Mon prénom officiel, c'est Kim sur mes papiers. Je suis en train de faire les démarches parce que c'est un, un prénom qui me, qui me traumatise encore aujourd'hui parce que les, les élèves m'appelaient Kim Burley, Kim Burger. Ah oui. Et en fait, aujourd'hui, ce prénom est associé à toute cette enfance que j'ai vécue. Donc, je suis en train de faire les démarches pour justement euh, m'appeler juste Kim. Et en fait, oui, j'ai eu beaucoup de moqueries. Euh, et c'était moi, je suis née aussi, je suis née en 1999. Donc, euh, moi, je suis vraiment dans l'ère des réseaux sociaux. Donc, Facebook, c'était un petit peu quand j'avais 12-13 ans et j'ai commencé à avoir des groupes Facebook euh, avec mon prénom, mon nom de famille et puis euh, une photo de baleine, euh, des photos montage. Donc franchement c'était très cruel. Et ça vous avez été victime de harcèlement et ouais. de cyberharcèlement J'ai été victime des deux, de cyberharcèlement, de harcèlement. Aujourd'hui je m'inite beaucoup pour ça parce que je sais que ça peut détruire vraiment une adolescence. Moi je mmh. juge que j'ai pas vraiment une adolescence à cause de ça. Mmh. Et vous n'aviez pas des profs, des adultes qui, qui vous protégeait, qui, euh, qui intervenait à ce moment-là Le cyberharcèlement, <coughs> il y a quelques années, ce n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Donc euh, pour moi, c'était ma faute, j'étais coupable et j'avais très peur d'en parler. Euh, évidemment, quand ma mère elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle a essayé de faire les choses nécessaires. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques soucis avec le cyberharcèlement et le harcèlement. Alors il y a quelques années, c'était encore plus compliqué. Mmh. Donc euh, les, les profs ne se rendaient pas compte. Et je dirais même qu'il y a certains profs qui n'ont parfois pas été très délicats avec moi. Ah oui. Donc, euh, ça, 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 ça aidait pas. Quoi, quoi. qui participait aussi aux, aux clichés, aux réflexions sur votre poids bah, Par exemple, j'ai des très mauvais souvenirs d'une prof de sport qui appuyait sur le fait que j'étais la plus lente de toutes et qui, euh, et qui, euh, et qui souvent, devant tout le monde, m'humiliait en me disant Mais tu vas jamais à la piscine, euh, etc. Tu es tout le temps absente. Pour moi, c'était impossible d'aller en cours de piscine Bien parce sûr. que j'avais tellement honte de mon corps, j'étais tellement complexée, j'étais tellement mal que j'avais tout le temps des ordonnances pour me dispenser de la piscine. Et, euh, et du coup, bah, c'était évident que c'était pour cette raison. Un adulte, ne comprend peut-être pas un enfant, donc c'était pas facile de, de recevoir bien, ça. On entend euh, vraiment au travers de votre témoignage toute la souffrance. Il faut vraiment insister là-dessus parce que j'ai dit en introduction que l'obésité c'était une maladie. Euh, si quelqu'un dit demain j'ai un cancer, personne va se fiche de lui parce qu'il a un cancer. Exactement. Donc, voilà, c'est une maladie, donc il faut vraiment bien comprendre que on peut pas se moquer de quelqu'un qui a une maladie. Euh, donc vous, vous, étiez, vous souffriez énormément quand vous rentriez chez vous. C'était très dur, alors c'était en fait tout permanent. J'avais vraiment un mal-être profond, énorme. Et en fait, moi, je me, je me, je me logeais dans la nourriture. La nourriture, c'était mon échappatoire, mais c'était aussi mon pire ennemi. Donc j'étais entrée dans un cercle vicieux qui était très dur à gérer. Euh, surtout que j'ai été diagnostiquée d'un trouble TDAH, donc trouble euh, de l'attention avec hyperactivité. Et euh, en fait, il mon, mon psy me disait comme quoi il y avait plus de chances que je sois en surpoids parce qu'en fait, j'étais impulsive. C'est Donc euh, je mangeais plus facilement, j'avais des. Vous avez essayé de, de faire des régimes, des rééquilibrages ah, alimentaires C'était ma vie, toute ma vie. Mmh. J'ai commencé mon premier régime à l'âge de 7-8 ans.